T'es pas potable. Par l'eau, l'eau minérale. On remplace de l'eau par l'eau. Non mais... Mais les gars, sur quoi peut-on être à cheval? Angélique. Sur un cheval, tout simplement. Alors on va la garder aussi, celle-là. Citer quelque chose que l'on peut voir dans la rue à 5h du matin. Pascal. Un lampadaire. Ah, oui. Oui, parce qu'aux autres heures, il est pas là. Il est pas là, le lampadaire. On regarde. Je sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi penser parfois. Citer un type de voix V-O-I-E. V-O-I-E, une voix. Donald. Je répète la question, quel vêtement typique d'un autre pays peut-on trouver dans son dressing? Je sais pas. Mais si. Un jean, n'importe quoi. Un jean. Ah oui, ça, c'est un vêtement typique d'un autre pays, ça. Je sais pas. Qu'est-ce que c'est un jean américain. Voilà, c'est ça. Là-bas, parce que là, il faut que tout le monde te regarde en gros plan. Tu t'appelles donc Garance, dans quel endroit plutôt qu'une occasion? Vous est-il déjà arrivé de vous endormir? C'était inopportun. Aux toilettes. Bah, ça sent le vécu en même temps. Hein. Aux toilettes. Superbe. Bon dîner à tout le monde. Tu t'es endormi aux toilettes? Oui. Benjamin, vous qui connaissez les femmes par cœur. Oui. De retrouver une alimentation saine. Retrouver une alimentation saine. Parce que souvent, on sait que quand elles sont enceintes, le chocolat, tout ça, les petits péchés. Hein. N'est-ce pas, mesdames? Merci. Oh, vous vous enfoncez, Benjamin, c'est une catastrophe. D'après vous, quelle célébrité française ferait un bon garde du corps? Stallone. Quel sport peut nécessiter des lunettes de protection? La natation. Autre chose? Le badminton. Qu'est-ce qu'on peut trouver de trop grand chez une personne? Eh bien... Ah non! Non! Non. L'acclamation, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas possible. C'est pas possible quoi? Mais non, c'est jamais assez grand.